C'est une maladie méconnue et dont l'ampleur est sous-estimée. Je veux parler de la maladie de Lyme. Demain, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, dévoilera un plan pour renforcer la prévention et améliorer la prise en charge des personnes qui en souffrent. À l'origine de cette maladie, une simple morsure de tic qui peut avoir de très graves conséquences. 27 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Aurélien Flamand, Gabriel Aurillon et Hélène Defer. Comme tous les dimanches matins, c'est randonnée au programme pour Daniel et ses amis. Sac à dos, chaussures solides et un accessoire plus étonnant, ce flacon de répulsif. Il y a une première bombe pour les vêtements et la seconde pour le corps. L'habitant des sous-bois que Daniel redoute tout particulièrement, c'est la tique. La morsure de ce minuscule acarien peut s'avérer redoutable et transmettre la maladie de Lyme. J'ai déjà été piquée et surtout j'ai entendu parler des maladies données par les tiques. Et j'ai des amis qui sont très malades à cause de ça. Daniel a bien raison de se protéger. Les tiques porteuses de la maladie peuplent tous les sous-bois français. 27 000 nouveaux cas sont déclarés chaque année. Traitée rapidement avec des antibiotiques, la maladie de Lyme se soigne facilement. Mais si elle n'est pas prise en charge, elle peut devenir chronique. Les complications sont alors graves, avec des troubles articulaires, voire neurologiques. À Vaisseau, en Ardèche, il est 7h du matin. Mathias a passé une nuit blanche devant sa télé, privé de sommeil par d'intenses douleurs. Cette nuit, j'avais la sensation d'avoir des coups de poignard dans le dos, colonne vertébrale en feu, les pieds qui bougent tout seuls. Puis des picotements, divers picotements sur l'ensemble du corps. Alors pour ce trentenaire, rien qu'aller embrasser sa famille le matin représente un gros effort. Bonjour. Bonjour Agathe. Ça va, t'as bien dormi? Bonjour. Depuis des années, c'est Jessica, sa compagne, qui gère le quotidien. Bonjour. Concrètement, faire les petites choses de la vie, quoi. Effectivement, les préparer, leur donner le bain, tout repose sur moi. Donc, c'est sûr que c'est un peu lourd à gérer au quotidien. Après, on s'habitue et on fait avec. Hein. Mathias, lui, a décidé de se battre. Sa maladie, il la connaît sur le bout des doigts et il met tout en œuvre pour en venir à bout. Chaque matin, il s'impose un programme très strict qui démarre par 20 minutes de vélo. La bactérie, donc à l'origine de l'infection, n'aime pas du tout l'oxygène. Donc il faut quotidiennement oxygéner son organisme, c'est hyper important. Sauna infrarouge, balnéothérapie, Mathias a englouti 20 000 euros, toutes ses économies, dans ses équipements qui le soulagent quelques heures. Et comme ce pâtissier ne peut plus travailler depuis plusieurs mois, le seul salaire de Jessica ne leur permettra pas de tenir longtemps. Je suis sans indemnité journalière depuis pratiquement 3 mois, quoi. Plus de 3 mois. C'est-à-dire, pour résumer, sans revenu? Sans revenu, ouais, c'est... Voilà, pas d'argent, rien du tout. Pourquoi vous n'avez pas de compensation financière? Parce que cette maladie n'est pas reconnue, en fait. La maladie de Lyme chronique, aujourd'hui, elle n'existe pas. Pour la Sécurité sociale, le caractère invalidant de cette maladie n'est pas reconnu. Mathias ne peut donc prétendre à aucune indemnité, ni même à aucun traitement. Et les médecins qui s'y sont risqués jouent gros. Ce matin à Toulouse, des militants sont rassemblés pour faire connaître la maladie de Lyme. Dans l'assistance, le docteur Marc Harrère, ce généraliste est en conflit avec l'assurance maladie. La sécurité sociale me reproche d'avoir traité des maladies qui n'existaient pas, donc une maladie de Lyme chronique. On me reproche d'être un charlatan, donc. Conséquence, le médecin a écopé de 6 mois d'interdiction d'exercer et de 5 000 euros d'amende, mais pour lui, impossible d'abandonner ses patients. Ce sont les hautes autorités administratives concernant la santé qui, actuellement, nous empêchent de faire notre travail de médecin. Je dis, c'est de la non-assistance à personne en danger. Une maladie non reconnue, des médecins sous pression. Alors pour guérir, certains malades quittent la France. Direction l'Allemagne. À Augsbourg, en Bavière, une clinique spécialisée accueille des malades originaires de toute l'Europe. Jeanne, 17 ans, vient de Normandie. Et en France, elle était elle aussi dans une impasse. Tous les matins, l'adolescente reçoit une perfusion d'antibiotiques.
un traitement de choc interdit en France et qui promet une guérison en quelques mois. J'ai vu des personnes hier, ça faisait 5 mois, et ça y est, elles vivent normalement, elles ont reconstruit leur vie, donc j'ai de l'espoir, ouais. Luminothérapie, exercice physique et électrodes, toute la journée les soins s'enchaînent pour faire reculer la maladie. Or tout cela a un prix, 7000 euros les 3 semaines, un traitement inaccessible pour beaucoup, mais pour la mère de Jeanne, soigner sa fille est une priorité. Ça fait 6 ans que Jeanne est malade et ça fait 6 ans que j'ai arrêté de travailler pour accompagner Jeanne parce qu'elle n'est pas du tout autonome certains jours. Et non, c'est pas un sacrifice, c'est naturel pour moi, en tout cas, pour une maman. Ici en Allemagne, la maladie de Lyme et ses conséquences sont connues, diagnostiquées et prises au sérieux. En France, les malades réclament eux aussi le droit de guérir.